Bon, enfin, bon, l'idée est très simple. Fais-le en tonnerre, alors. 3, 2. Tu veux venir avec moi? Ah, ben viens avec moi. Je suis trop habillé, là. Non, mais tu t'assois. Vas-y, prends un jeune. Allez, si tu veux. Mais on va dire à chaque fois que je triche, que je prends Zibé, les complices. Bah, moi, pour mes 60 euros, je suis content, hein. Non, non, mais on n'est pas complices. Allez, voilà. Non, alors, il est venu, il a voulu venir. Eh ben viens. Les gens, ils vont être sûrs et certains que t'es complice. Alors, Antonin, ce que je vais te dire, alors, tu sais comment fonctionne un canard code? Avec un code, oui. Avec un code. Mais avant, et avant d'aller beaucoup plus loin, un canard à code, l'idéal, c'est de le manier comme ceci, et tu vas comprendre pourquoi. Parce que c'est tellement précis, les petits codes, que des fois, il y en a, ils arrivent, ils tirent, hein, ça s'ouvre pas. Donc là, je vais par exemple te prouver, je veux dire, mes dires. Le numéro pour ouvrir ce canard, c'est 8, 1, 1, 9, d'accord? Comme ça, j'ouvre mon cadenas. D'accord? Mais ce qui est assez étonnant, et c'est là où c'est assez bizarre, c'est-à-dire que si tu fais mal la combinaison, d'accord? Et que tu n'es pas sur 8, 1, 1, mais que tu mets, regarde, ne serait-ce que ça, tu vois ce petit cran-là? Tu n'ouvres pas le cadenas. D'accord? Donc c'est-à-dire que mets les chiffres pile poil, vraiment, c'est-à-dire dans l'alignement en fait des trucs ici, de façon que tu as 8, 1, 1 pour que tu puisses ouvrir le cadenas. D'accord? Que tu sois pas là à dire ça s'ouvre pas, ok, donc je veux que tu sois vraiment pile poil. Donc là je t'ai donné forcément la combinaison, je vais en mettre une autre. Donc vous savez tous comment ça fonctionne, regardez pas. Enfin non, d'abord je vais laisser comme ça pour l'instant. Ce qu'on va imaginer, c'est que tu vas choisir une des personnes qui est ici. Donc encore une fois, tu n'es pas complice. Tu vas choisir n'importe laquelle de ces personnes là, celle que tu as envie. Je l'homme là-bas. Je me rappelle plus ton prénom. David. Ouais, c'est ça. Je savais que c'était Morgan, mais je me rappelle plus. C'est Anthony, ça. Voilà, ben oui, mais je me rappelle plus que c'était le prénom. David, je vais te demander, David, de penser à un code à 4 chiffres. Juste y pense, tu ne dis absolument rien. Juste y pense. Ok? C'est bon? Alors, hop. Tu vois pas ce que je fais? Yes. C'est bon? Tu ne dis rien, absolument rien, ok? Je brouille. Maintenant, je vais te donner ça, Antonin. Et je vais te demander de le mettre autour du cou. Et tu vas être l'huissier, d'accord? Tu vas être l'huissier de ce qui va se passer, d'accord? Donc laisse le pendre autour de ton cou. Et je te donne un petit calepin. David, pour l'instant, tu joues pas. Tu gardes ton code en tête, ok? Gérard. Donne-moi un code à 4 chiffres. 31, 44. Vas-y, marque-le. Donc c'est pour ça que je t'ai mis le canard autour du cou, pour que tu l'aies autour du cou et pas de chiffres. Il n'y a pas de je touche pas. Combien? 31, 44. Mika. 26, 12. Zibé. 0, 0, 7 et 5. Ok. Jacques. 12. 13. Ok. Thierry. 08, 09. Michel. 31, 62. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou est-ce que vous voulez qu'on arrête là? On arrête. On arrête? Okay. Je peux récupérer le stylo? Maintenant, je vais te. Une capuchon. Je vais te demander. Donc, tu mets ton canard face à toi. T'es bon? Ouais. Et tu fais 31, 44. Donc je ne triche pas, hein. Ok? On va faire tous les codes là. Eh oui, c'est pour ça que. Mais c'est pour. On sait jamais. Je vais faire vite, 31-44. Non? Que dalle. 26-12. 26-12. Non, si vous dites direct, ça sert à rien de tirer comme le fou. 0-0-75, c'est ça? C'est qui a donné 0-0-75? C'est moi. C'est toi. C'était 007 d'abord. À la base, c'était 007. T'as vu comme c'est souple? Et après 5. 0-0, puis là j'ai des reflets de lumière. Ah, excuse-moi. 75, non, c'est pas toi, c'est en face. C'est bon, non. C'est pas ça? 12-13. 12.
Donc c'est pour dire que voilà, il n'y a pas, je dirais, à part, ça marche pas, miracle, voilà. À part un miracle, oui. C'est bon, c'est bon. 0809. Là, je suis sûr qu'il y a un code de carte bleue. Ouais. 31-62. Allez, c'est le dernier. Attends, qui a dit le premier numéro? 31-62, hein, je fais pas des codes au hasard, hein, je note. C'est bon? Allez, sors le canard et pose-le sur la table. Donc vous avez pu constater que tous les codes n'ouvraient pas. David, est-ce que tu peux venir? Ouais. Pour la première fois, je veux pas que tu me dises au code que tu as pensé. Du bout des doigts, je te donne le cadenas, tu fais le code que toi tu as envie. Attends, pour la première fois, quel était le code que tu vas me dire? Je peux le dire, mais... Oui. 1976. Attends, 1976. Tu fais 1976. Je ne veux rien, absolument rien toucher. Mais là, ce que ça serait un miracle, c'est qu'à son code à lui qu'il a pensé depuis le départ, à 1976, le cadenas s'ouvre. Et si c'est un miracle, yeah, c'est que ça fonctionne. Bizarre. Bizarre. Pas possible. Merci David et merci Antonin. Sur ce, passez une bonne soirée. Non, je suis énervé là. T'as bien fait de rester. Hein. C'est normal. Hein. Création Jérôme Canal. Voilà. Pardon. Excusez-moi. Alors ah, voilà.